I explain you very fast what we're doing. Mainly, it's very unusual to use this place, okay? Because you are in a school where there is never class, okay? There is no lectures, no class, no teachers. Mainly, what we do is to have students who only do projects, okay? Students spend most of their time inside the computer room. There is no class. Before this school, I was managing another school, which is called Epitech. In Epitech, I start a program which is called Web Academy. At the Web Academy, mainly the idea was to help people coming from poor area, okay, in suburbs, who quit school before graduation, before high school graduation, and try to make them work in the ITs. Okay. So we launched this program maybe 5 years ago, and it works very well. Les seules conditions prérequises, c'est d'avoir entre 18 et 30 ans. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir le bac, on n'a pas besoin d'avoir aucun diplôme, on n'a pas besoin d'avoir de l'argent, et on n'a même pas besoin de savoir coder avant, en fait. C'est-à-dire que la méthode de sélection, enfin la période de sélection, elle va durer un mois, et l'idée, c'est que, en gros, pendant ces un mois-là, ils recueillent suffisamment d'informations, en fait, pour évaluer si la personne est adaptée à l'école ou pas. Quelqu'un qui aura au début des notes très mauvaises, mais qui aura une bonne courbe de progression, par exemple, elle va peut-être plus facilement être acceptée que quelqu'un qui sera dès le début dans les moyens, mais qui restera tout le temps dans les moyens. Les seules conditions, en fait, c'est d'avoir le cerveau fait pour la programmation, même si on s'est jamais confronté au sujet avant. Et donc, pour chaque projet, on se fait corriger par des élèves. Et donc, on a entre 3 et 5 corrections par projet. Et ça marche plutôt bien, ouais. Et donc, quand on a validé un projet, on gagne des points d'expérience. Et quand on gagne des points d'expérience, on gagne des niveaux. Et donc, en fait, c'est un peu comme un jeu vidéo. Donc, on a des quêtes aussi. Et donc, par exemple, si on n'a pas atteint une certaine quête en un certain nombre de temps, et bah... Bonjour à tous, je vous rappelle que dans pas longtemps, on va commencer une conférence par MJ, les gens qui vous branchent l'électricité chez vous, et tout ça pour vous challenger sur une solution qui sera disponible sur leur plateforme officielle et que nous aimerions bien que ce soit vous qui vous y collez. So it's one part of the process, it's making people able to co-create stuff. So do you have questions? So you provide the technical part and you provide support, personal support if people... We don't provide any personal support, never. Okay. When a student doesn't know how to solve a problem, mm-hmm. mainly we tell him, you ask to your right neighbor, okay. You ask to your left neighbor, yeah. if you don't, you ask yeah. Google. Okay. So that's a process. You never ask. If you are going to ask to someone from the school, he will answer you, read the doc. Okay. Est-ce qu'il y a des gens qui dorment ici? Ça arrive. Par exemple, si on a envie de faire quelques... Si on travaille beaucoup sur un projet, on peut très bien dormir la nuit ici ce soir. Il y a quelques personnes le soir qui dorment ici. C'est pas définitif. J'en ai rarement vu plus de 3, c'est de temps en temps, quoi. Vous avez fait aussi déjà? Non, j'ai jamais fait. Mais c'est autorisé, ouais. You don't teach, but you coach. We don't coach. We don't have mentors. I mean, the people work completely alone. Totally alone. There's no accompaniment of anything. On any kind. There is some company mentors in some specific program. Like we have a chair program with HEC. I don't know if you know HEC, Paris Business School. We have a chair program for people creating companies. So where mentors will share their experience of how to create stuff. But that's the only part. Oui, c'est la meilleure expérience que je puisse avoir fait. J'ai fait une école d'ingénieur avant, donc cursus d'ingénieur très, très classique. Je travaillais justement chez Orange en alternance et je perdais un peu cet aspect créatif. Je suis quelqu'un qui aime bien entreprendre et c'est quelque chose que je ne retrouvais pas là-bas. Alors qu'ici, je suis libre de faire ce que j'ai envie de faire. Je suis libre d'arriver aux heures où j'ai envie de travailler. Donc parfois je viens pas, parfois je viens travailler le week-end. Par exemple ce soir je dois aller garder le bébé de ma sœur, je vais partir plus tôt. Je peux, rien ne me l'empêche. Rien ne m'empêche de faire ma propre start-up à côté. On est libre et c'est cet aspect de liberté que je suis vraiment content d'avoir retrouvé ici. So that's the main idea. So the idea of 42 is trying to solve this. Okay.
that mostly when you discipline people, you remove a part of creativity of them. Okay, you remove a part of freedom of them. Okay, so at the end, that's the main idea. The second idea of 42 is to say in IT we have a very specific relationship with knowledge. We believe that knowledge is not useful, mainly because it's available. So when you need to find something, you find it without having to remember it, okay? Because we have the technology for, okay? It used to be difficult to have access to knowledge. Now you're using your smartphone, you can have access to all humanity knowledge, okay, very easily. But that's not the only way.